Les miracles et les prodiges. Miracles and wonders. Vous notez ceci. Write this down. Nous travaillons avec Dieu. We are working with God. Et le Seigneur est au milieu de nous. And the Lord is in our midst. Il travaille. He is at work. Il agit. And he is acting. Il soutient notre témoignage. He supports our testimony. Les miracles et les témoignages ne sont pas pour montrer aux hommes que Dieu est avec nous. Miracles are not to show that God is to show men that God is with us. Les miracles et les témoignages ne sont pas pour la gloire de l'homme. Miracles and testimonies are not for the glory of man. Les miracles et les témoignages ne sont pas pour la gloire de la communauté. Miracles and testimonies are not for the glory of the community. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'un soutien qui vise à montrer que ces gens qui parlent sont vrais. This is a support to show that these people that are talking are true. Ou qui parlent de la part de Dieu, du Seigneur. Or that they are talking on the behalf of the Lord. Dieu soutient le témoignage. God supports testimony. Pour qu'on croit, qu'on voit, qu'on croit que ce qu'il dit, ce que ces gens disent, ils le disent de la part de Dieu. God backs testimony so that it should be seen that what these people are saying are being said afin qu'ils from God. Croire en Dieu. So that they can believe in God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Alléluia. Alléluia. Donc, il s'agit d'un soutien qui vise à montrer que ces gens qui parlent sont vrais ou bien que ces gens parlent de la part de Dieu. So it is a backing to show that these people who are talking are true and that they are talking on behalf of God. D'une manière spirituelle. In a spiritual way, les miracles et les témoignages sont des preuves que les chaînes ont été brisées, que les prisons ont été cassées, que les tombes ont été ouvertes au niveau invisible. Miracles and testimonies are a proof that chains have been broken and tombs have been broken. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les miracles sont les résultats des chaînes brisées, des prisons cassées, des forteresses renversées, des princes sataniques dans les lieux célestes renversés. Miracles are the results of chains broken, prisons broken, strongholds overthrown, and satanic princes overthrown. Les chaînes brisées, les prisons cassées, les forteresses renversées, les princes sataniques dans les lieux célestes renversés, ainsi que les puissances des ténèbres, des abîmes, des eaux, des séjours des morts, des forêts et de n'importe quel autre endroit de l'univers invisible ont été renversés. That is, chains broken, prisons broken, strongholds overthrown, satanic princes in the heavenly places overthrown, as well as powers of darkness and the abyss, and in the waters and in Hades and forest and in any other place in the universe that have been overthrown. Quand les chaînes ont été brisées dans l'invisible, when chains have been broken in the invisible, il y a les manifestations physiques. There are physical manifestations. Là, il y a les démons qui sont chassés, il y a des guérisons, il y a des gens qui guérissent des maladies. There are demons that are cast out and people are being healed of sicknesses. Qui sortent des prisons. And they come out of prisons. Sont désenvoûtés. And they are disbewitched. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce qu'on voit, that which we see, est le résultat de ce qui s'est passé dans l'invisible. Is the result of what has happened in the invisible. Ce qu'on voit, what we can see, est le résultat de ce qui s'est passé dans l'invisible. Is the result of what has happened in the invisible. Car le ministère de la rédemption,
est un puissant plan d'action contre les forces des ténèbres. For the ministry of redemption is a plan against the works of darkness. Tous les enfants de Dieu doivent expérimenter la puissance de Dieu. All children of God must experience the power of God. C'est quelque chose que Dieu a décidé dans le plan de rédemption, que ses enfants vont aller dans le monde, prêcher l'évangile, chasser les démons, guérir les malades. It is something that God has in his redemption plan that his children will go out, preach the gospel, win souls, cast out demons, heal the sick. Et marcher sur toute la puissance du diable. And walk on all the powers of the devil. C'est écrit. It is written. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. It is not something that we look for. Si tu marches comme le Seigneur a demandé, tu verras que tu parles à quelqu'un et tombe. If you walk as the Lord has said, you will see that you speak to someone and the person falls. Tu commences à chasser le démon. And then you start casting out demons. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est dans le plan de rédemption. It is in the redemption plan. Ça ne doit pas manquer dans une église. It must not be lacking in any church. Si tu diriges une assemblée, if you lead an assembly, c'est là, c'est toi qui n'as pas la foi pour utiliser, c'est là, it ça is t'attend. There. Ça t'attend. It is there, it is you who does not have the capacity to use it yet. It is waiting for you. Une sœur avait souffert pendant des années. A sister had suffered for years. Elle me disait qu'elle souffrait. And she even said that she was suffering. Je ne maîtrisais rien. Then I did not master anything. Je savais que les démons sont toujours chassés quand ils se manifestent. I knew that demons are cast out when they manifest themselves. Je ne connaissais rien de la sorcellerie. I did not know anything about witchcraft. Donc tout ce qu'elle me racontait, je mange la nuit, les gens couchent avec moi, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. So all that she was telling me, I eat in the night, people come and lie with me, I did not understand anything. Je lui disais, si les démons se manifestent, on va chasser. I told her, if demons manifest themselves, we'll cast them out. Et les démons ne s'étaient jamais manifestés. And the demons never manifested themselves. Et elle ne faisait que souffrir. And she was suffering. Un jour, one day, elle a glissé un mot sous ma porte. She sent a note under my door. Frère Boniface, a brother Boniface, prie pour moi, je souffre trop. Pray for me, I am really suffering. C'est pour ça que j'ai parlé de compassion. Quand j'ai lu cette lettre, that's why I spoke about compassion. When I read that letter, je ne peux pas vous décrire ce qu'il y a eu en moi. I cannot describe what happened in me. J'ai répondu. I answered. J'ai dit, nous allons à Bertois pour la dot de la sœur Colette. Au retour, on va te rendre ministère. I told her, we are going to Bertois to pay the bride price of Sister Colette. When we come back, we'll render ministry to you. Quand nous sommes revenus, nous avons pris un jeûne de 3 jours. Moi, je croyais que c'était un ministère de guérison. When we came back, we took a 3-day fast, and for me, it was a ministry of healing. Dès qu'on a commencé, elle a crié, wow, elle est tombée. As soon as we started, she shouted and then she fell to the ground. Qui es-tu? Who are you? On maîtrisait déjà les démons. Qui es-tu? Lenouzan. Who are you? He said the name. Lenouzan. Depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu un démon qui porte le nom d'un être humain. Since I started, I had never heard of a demon who bore the name of a human being. Lenouzan, donc on était là, personne ne parlait. Je suis revenu à moi-même, j'ai dit non. Et parce qu'il disait, Lenouzan, c'est moi, je suis son père. Je suis malade, j'ai beaucoup d'enfants, ne me chassez pas, je veux mourir. We were there, ça, c'est quoi? And he was saying that my name is Ledu Zhang, I'm his father, I'm sick, don't cast me out, I have many children. Donc toutes mes idées étaient d'abord éparpillées. So all my ideas were first of all scattered. Après j'ai dit non, ce n'est pas ta fille, c'est un enfant de Dieu. I said no, it's not your daughter, it's a child of God. On a jugé. And we judged. Écoutez pourquoi je vous donne ce témoignage. Le démon dit, vous étiez où depuis là? Listen to why I'm telling you this, and the demon afterwards said, "Where were you?" Ça veut dire que quand nous sommes dans l'ignorance, les démons savent que c'est lui qui n'est rien. It means that when we are in ignorance, the demons know that these ones don't know anything. Vous étiez où depuis là? Where have you been on peut since? Nous dire qu'on était où? La sœur souffre depuis. Nous sommes. Elle me dit que je souffre et nous sommes là.
Where would we have said that we were? The sister was in pains and she told me that I'm suffering. Après, je dis, non, va-t'en, au nom de Jésus. After I said, go out in the name of Jesus. On a fait de 20h à 1h, 1h et demie du matin. From 8 p.m. we went till 1:30 in the morning. Ne laisse pas les brebis dans les chaînes. Do not leave your flock in chains. Break them. Il a dit, je vous ai donné mon pouvoir. He says, I've given you my power. Il n'a pas donné à certaines personnes, il a donné à l'église. He did not give it to some and leave others. He gave to the church. Tu as ça, tu as ça. You have it. Si tu veux, va te coucher, tu dors. If you like, you should go and sleep. Lie down and sleep. Tu peux aussi décider que tu ne vas pas laisser le diable dormir. You can also decide that you are not going to let the devil sleep. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. We have received the power to walk over the power of the devil. N'importe quel frère ici peut chasser les démons. Any brother here can cast out demons. Je l'ai su comment? How did I know this? Une sœur manifestait les démons. The sister was manifesting demons. Les démons se manifestaient dans une sœur. Oh, demons were manifesting in a sister. Je me suis approché. I got close. J'ai dit au nom de Jésus. I said in the name of Jesus. Le démon, ne dis plus ce nom là. Don't say that name again. J'ai dit ah bon, donc moi aussi. I said oh so. Le démon n'était même pas parti, mais seulement le fait qu'il ait crié. The demon did not go out, but just the fact that the demon cried out. Et qu'il m'ait demandé de ne plus dire ce nom-là. And asked me never to say that name. J'ai pris une fiche Bristol, j'écrivais les louanges dessus. J'ai même laissé d'abord la prière, j'écrivais Dieu, tu es fort, tu es grand, tu es. I took a piece of paper and I was writing. Now I first of all left the deliverance case and I was writing. Now God, you are wonderful, you are mighty. Parce que je croyais que c'est quand tu es mûr comme les dirigeants là que tu peux chasser les démons. Because I thought at that time that it was only when you were mature and you were like a leader that you could cast out demons. Quoi? Ne dis plus ce nom là. Never say that name. De ma bouche. Non, Jésus est puissant. From my mouth, Jesus is powerful. Tu as ça, frère. You have it, brother. Tu as ça. You have it. Il y a un frère au Cameroun, il est poser les mains sur sa tête, commande aux démons de partir, les démons sortent. There's a brother in Cameroon who lays his hand on his head and commands demons to go away and the demons go. Vous le connaissez, le frère Foka, qui a écrit beaucoup de cantiques dans le recueil. Là, il sort. He puts his hand on his head and prays, demon go out. Boom. Qui a déjà chassé un démon de lui-même? Who has cast out a demon from himself? Je parle même de kilomètres. Ils sont là, ils sont là. Oui. Tu dis, sors, out. Et pendant la croisade ici, during the crusade here, il y a eu beaucoup de délivrances. There were many deliverance cases. Mais la plupart des délivrances étaient sans manifestation. But many of them were without manifestations. C'est-à-dire que quelqu'un prie comme ça. That someone is praying. Et une grand-mère se présente. Il dit, pourquoi tu me chasses? Il dit, va-t'en, ça t'a pris et s'en va, poum. And then the grandmother comes and says, why are you casting me out? And he says, go away, and the demon goes away. Ceux qui ont été délivrés de cette manière, on ne les compte même pas. People who were delivered in that way are uncountable. C'est-à-dire que les démons s'en vont. Il y en a qui ont vu les hommes sortir de, boum, ils s'en vont. There are people who saw men living from their bodies. Ça, c'est des incarnations. S'en vont. These are incarnations. They go out without disturbing. Donc, ne crains rien. So don't fear anything. Quand tu sors pour évangéliser, when you go out to evangelize, si tu trouves un malade, if you find a sick person, prie pour le malade. Pray for the sick. Et annonce l'évangile. And proclaim the gospel. Prie sans faire de ça une condition. Ne fais pas de sa conversion une condition pour prier pour lui. Pray without making it a condition. Don't make your prayer dependent on his conversion. Il y a des gens qui citent le verset qui dit, ne te précipite pas
d'imposer les mains sur quelqu'un. There are people who cite the verse that says that do not be hasty in the laying of hands. Car les péchés de plusieurs sont cachés. Because the sin of many is hidden. Et ne se révèle qu'avec le temps. And it's only revealed with time. Ce verset là. That verse parle de l'ordination des anciens. It's talking about the ordination of elders. Et c'est pour ça qu'il est dit après éprouvez-les d'abord. That is why it is said afterwards you should first of all try them. C'est après, donc c'est pour cette raison qu'on a ce qu'on appelle les anciens en formation. On les appelle au collège. That's why we have what we call elders in training. Et on we les call observe, them to the, on les observe. We call them to the elders council and then we observe them. Après 2-3 ans, on peut les ordonner anciens. On peut les ordonner anciens. After 2 or 3 years, they can be ordained as elders. C'est à ceux-là qu'on dit de ne pas se précipiter pour leur imposer les mains. Those are the ones about whom it is said, do not be hasty in the laying of hands. Et la parole dit même après que ceux qui pêchent, reprends-les en public. C'est-à-dire que les anciens qui sont coupables, il faut que le dirigeant les reprenne en public pour que les autres aient peur. And that's why the Bible says that those who are guilty should be rebuked in public. So elders who are guilty should be rebuked in public so that the other brethren would be afraid. Donc pour les pauvres malades, so for the poor sick people, quand tu dis, j'ai mal la tête, someone says, I have headache. Tu pries pour sa guérison. You pray for his healing. Tu peux lui parler de Jésus. And you can speak to him about Jesus. Plusieurs fois même après la prière. That is many times after the prayer. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qu'est-ce que je veux qu'on comprenne ici? What do I want us to understand here? Certains n'ont pas développé la foi pour croire à la manifestation de la puissance de Dieu. Some have not developed the faith to believe in the manifestation of the power of God. Et ce n'est pas bon. And it's not good. C'est une perte. It's a loss. J'ai dit aux frères, I told the brethren, tous les missionnaires, all the missionaries, qui vont faire le brisement des liens, who carry out the breaking of ties, auront des assemblées fortes, would have strong assemblies, dans la manifestation de la puissance de Dieu, in the manifestation of the power of God. Parce que c'est un don que Dieu a donné à l'église de Côte d'Ivoire même. Because this is a gift that God has given to the church in Côte d'Ivoire. Dans la vision que j'avais eue, le Seigneur dit, il me donne le ministère de la santé. Ça veut dire que c'est au-delà du don de guérison. Ça veut dire que dans nos églises, il y aura des guérisons et des miracles partout où c'est pratiqué. In the vision that I received, God was telling me that he has appointed me the minister of health. That is, it is above the ministry of healing. So in all our churches where this is practiced, there will be healings. Il y a une sœur qui m'a appelé du Sénégal. There's a sister who called me from Senegal. Dans leur famille, ils ont adoré le serpent. In their family, they had worshipped the snake. Elle était dans le combat quand on a brisé les... On a, le jour où les serpents se manifestaient, on a jugé, on a combattu. Elle suivait la croisade. She was in battle on the day that we were judging snakes and she was following the crusade on air. Sa maman l'appelle pour dire que elle a vu ce serpent là en son, quelqu'un l'a découpé. And her mother called her and told her she had seen in a dream that this snake was being cut to pieces. Elle était sans emploi. She was jobless. Après cela, une entreprise l'a appelée. On l'a recrutée. After that, the company called her and recruited her. Après ça, une ONG internationale l'a appelée. After that, an international NGO called her. Pour un poste régional. For a regional position. L'épreuve était difficile. The trial was difficult. Elle m'a rendu témoignage. Elle dit, mais j'attends maintenant qu'on m'appelle pour le dernier. Elle a passé le premier tour. Elle dit, j'attends qu'on m'appelle définitivement. And she testified to me and said, I'm waiting, I've already gone through the first stage, I'm waiting for the last stage now. Elle me dit qu'on l'a retenue, elle a commencé déjà. And she told me that she was retained. La victoire sur le serpent. The victory over the serpent. À plusieurs milliers de kilomètres d'Abidjan. Thousands of kilometers from Abidjan.
Pratiquez ces choses-là, vous allez voir la gloire de Dieu. Practice these things and you'll see the glory of God. Est-ce que vous me suivez? Are you following? Vous les semeurs là, vous êtes prioritaires. Si vous devez reprendre les brisements de liens, signalez seulement. So as you are the priority, if you have to redo the breaking of your ties. Chantez bien là, il faut être délivré. To be able to, as you sing well, you should be delivered. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus nous a donné. Jesus has given it to us. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher dans le ciel ou sous la terre. It's not something that we are going to look for in heaven or on earth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les miracles sont ordonné par Dieu lui-même. Miracles are ordained by God himself. Ils ne sont pas rares. They are not rare. Et puis, les miracles sont sur tes lèvres. And miracles are on your lips. Nous nous sommes inscrits à cette école-là. And we have registered in this school. Et chaque année, on fait des progrès. And every year, we have a proof. Hallelujah. Amen. Acts chapter 5, verset 12 à 16. Acts chapter 5, verse 12 to 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Version parole vivante, Actes 5, 12 à 16. Les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler sous la galerie de Salomon dans la cour du temple. Personne d'autre n'osait s'associer à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime et chantait leurs louanges. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à la communauté. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues et sur les places publiques où on les déposait sur de petits lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins puisse effleurer l'un ou l'autre d'entre eux. Même des villes voisines, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener leurs malades et les personnes tourmentées par des mauvais esprits. Et tous s'en retournaient guéris. Amen. Isaïe 61, 1 à 3. Isaiah 61, from verse 1 to 3. Écoute et crois. Listen and believe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie
au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Marc, chapitre 16, le verset 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feraient point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Tous ces passages, all these passages, montrent qu'une grande puissance accompagne la prédication. Shows that the great power accompanies the preaching. S'il y a donc une garantie du soutien de notre Père éternel, there is therefore a guarantee of the backing of our Lord. L'œuvre de la prédication dans le monde, the work of the preaching in the world, est soutenue par une grande puissance, is backed by great power, qui vient de Dieu lui-même, that comes from God himself. Personne ne peut accomplir l'œuvre avec la puissance humaine. No one can accomplish the work with the human power. Il faut la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. You need the power of God to accomplish the work of God. Il faut la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. We need the power of God to accomplish the work of God. Personne ne peut avec la puissance humaine accomplir l'œuvre de Dieu. No one can accomplish the work of God with human power. Et quand l'œuvre de Dieu est ainsi accomplie, il ne faut pas que la puissance revienne à l'homme. Que la gloire revienne à l'homme. And when the work of God is accomplished as such, the glory should not come back to man. L'église doit être vigilante. The church must be vigilant. Pour savoir que Dieu est en train de travailler ici. To know that God is working here. Et qu'à lui soit la gloire. And that the glory must be given to him. La Bible dit, the Bible says, nous portons ce trésor dans des vases de terre. That we bear these treasures in earthen vessels. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. So that this great power be attributed to God and not to us. 2 Corinthiens 4 verset 7. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Là où tu es assis, where you are seated, tu es puissant. You are powerful. La puissance de Dieu est en toi. The power of God is in you. Tu es un vase de terre. You are an earthen vessel. Mais tu es riche. But you are rich. Tu es un vase de terre. You are an earthen vessel. Mais il y a un trésor en toi. But there's treasure in you. Il y a un trésor en toi. There's treasure in you. Dieu a fait des choses de cette manière-là. God has done things in this way. Afin que toute la gloire lui revienne. So that all the glory be ascribed to him. Si tu avais des gros muscles. If you had big muscles. Des yeux perçant les murs. Eyes that can go through the walls. Les gens allaient dire, hey, ça c'est un homme puissant. They would have said, this is a powerful man. Quand tu es là, tu dis, au nom de Jésus, de mon sort, tu dis, tu prends le mouchoir, tu enlèves un peu la grippe qui te menace et tu chasses le démon. Après, tu dis, vraiment, Dieu est puissant. When you are there and you cast out a demon cries out and you sneeze and you take a handkerchief and clean your nostrils. And when the demon goes out, you acknowledge that God is mighty. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand un jeune converti, comme j'étais à l'Est, when a young convert like I was in the East, quand j'avais dit au démon au nom de Jésus, when I told the demon in the name of Jesus, quand il a crié, dit ne dis plus non, j'avais loué qui? The demon cried out and said that don't call this name anymore. Je louais les terres. I worship the Lord. Mais si c'était après 50 ans de vie dans la foi,
But if this was after 50 years of life in the faith, ça allait susciter en moi beaucoup de loi? Rien. Would this have raised in me so much? Même les frères allaient dire que non, c'est un vieux frère. Ah, ça, lui ne s'amuse pas. People would have said that no, it's an old brother. Does not joke. Quand c'est un bébé, on rend gloire à Dieu. When it's a baby, we render glory to God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Tu n'es rien, tu es un vase de terre. We carry these treasures in earthen vessels. You are nothing. You are just an earthen vessel. Toute la gloire à Jésus. All the glory be ascribed to the Lord. Il n'y a pas d'exercice pour mûrir avant d'utiliser cette puissance-là. There's no exercise to get mature before making use of this power. Elle est disponible pour les gens faibles. It is available for weak people. Pour ceux qui savent, for those who know, que Jésus a tout accompli. That Jesus has accomplished all. Nous portons ce trésor. We carry this treasure dans des vases de terre, in earthen vessels, afin que cette grande puissance, so that this great power, soit attribuée à Dieu, will be attributed to God, et non pas à nous, and not to us, et non pas à nous, and not to us, et non pas à nous, and not to us. Dis, je proclame, say, I proclaim, que je ne suis rien, that I'm nothing, que je suis un vase de terre, that I'm an earthen vessel. Mais que Dieu a déposé en moi, but that God has put in me, un grand trésor, a great treasure. Je peux renverser les principautés. I can overthrow principalities. Je peux démolir les forteresses. I can demolish strongholds. Je peux renverser les hauteurs. I can overthrow heights. Je peux disperser les troupes ennemies. I can disperse enemies. Je peux chasser les démons. I can cast out demons. Je peux prier pour les malades. I can pray for the sick. Je peux proclamer l'évangile. I can proclaim the gospel. Dieu est avec moi. God is with me. Je proclame, so I proclaim, que ce trésor, that this treasure, est déposé dans ce vase de terre que je suis, is put in this earthen vessel that I am, afin que toute la gloire, so that all the glory, toute la grande puissance, all the great power, soit attribuée à Dieu lui-même, will be ascribed to God himself. Maintenant, si quelqu'un te dit, prie pour moi, je suis malade. Now if someone says, pray for me, I'm sick. Pray for that person. Il y a une sœur qui est venue me chercher. There's a sister who came to look for me. Quelqu'un a demandé que je prie pour lui. And someone asked that I should pray for her. Bien, on va aller prier. So he asked for prayer. Je lui dis, mais la personne a cru que tu pouvais prier pour elle. And that person, I told her that person believed that you could pray for her. La personne ne savait même pas que je suis, que j'existe. That person did not even know that il I exist. Il fallait prier pour la personne. You should have prayed for the person. Dieu allait agir. And God would have acted. Hallelujah. Hallelujah. Si tu sors pour évangéliser, if you go out to preach, si quelqu'un te dit prie pour moi, and someone says pray for me, prie pour la personne, pray for that person. Ne dis pas que le leader mondial, le pasteur Théodore Ndossa arrive ici en 2020. Don't say that the international leader, pasteur Théodore Ndossa, is coming pour prie pour toi. In 2020, and I'll arrange for him to pray for you. Tu déstabilises la foi de la personne. You destabilize the faith of that person by so doing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'avais reçu une sœur avec son mari. I received a sister with her husband. On a fini de travailler, ils sont rentrés. We finished working and they went back. Le lendemain, son mari m'appelle. The next day, the husband called me. Il dit, on a un témoignage. Say, we have a testimony. Mon époux ne voyait pas ses menstrues depuis des mois. My wife did not have a menses for many months. Et quand on venait, elle a dit que je vais aller, j'embrasse le pasteur, mes menstrues vont revenir. And when we were coming, she said, I will go and when I would embrace the pastor, my menses will come back. Ça, c'est sa foi. That's her faith. Elle est venue dans sa tête, elle prend sa guérison à tout. She came and in her mind, rentrée, les menstrues sont venues. She was taking her blessing with that hawk. And when she went back, her menses came. Toi-même, il faut que je sois fou pour penser que je suis très fort. So, between you and me, I must be a fool to think that I'm very strong. Mais ça veut dire qu'il y a en nous
un trésor. It means that in us there is a treasure. Ça que personne ne te vole ça, que personne ne te trompe que nous sommes là, il n'y a rien. No one should c'est faux. No one should deceive you. No one should steal that from you. Nous sommes let no one tell you that we are nothing. Des dépotoirs d'une puissance que le monde ne connaît pas. We are custodians of a power that man does not know about. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a en toi un trésor. In you there is a treasure. Il lit pour nous 2 Corinthiens 4 verset 7. Read for us 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Je voudrais que chacun garde ce verset-là. I would like each one to keep this verse. Je corrige même. Des potards fait penser aux choses négatives, c'est-à-dire aux ordures. Il faut garder le mot vase, ne mets pas de potards, mais des vases de terre. Don't put a bin. If you say bin, it has to do with where we put debt. So say vessels. Jars of clay. Vous enlevez le mot dépotoir que j'ai dit par lapsus. So I've taken out the word bin that I put there by mistake. Nous sommes des vases, disons ça simplement, des vases de terre. We are vessels of clay. C'est-à-dire des gens faibles, inutiles, mais Dieu a décidé de nous utiliser. That is weak and useless people that God has decided to make use of us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça fait que l'orgueil n'est pas possible. This makes it in such a way that mais Dieu, pride, Dieu va se manifester. It is impossible to be proud, but God rends-nous quelques témoignages de la croisade. Je le choisis parce que on a écouté. You should come and render a testimony from the crusade. I choose him because we listened to him. Nous avons eu la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales à Boisso. We also held the crusade of the overthrowing of personal and family principalities in Abuaso. Dieu nous a montré là-bas qu'il est réel, qu'il est puissant. God showed us there that he is real and mighty. Un soir, one afternoon, nous avons prié. We prayed. Nous avons prié que les malades guérissent. We prayed for the sick people to be healed. Et les malades étaient effectivement guéris. And they were truly healed. Alléluia. Praise the Lord. Quand les gens ont vu ça, when people saw that, le lendemain, the next day, les gens ont pris un malade. People took a sick one. Son ventre était comme une grossesse de 9 mois. His belly was like a pregnancy of 9 months. Notre salle est à 2 niveaux. Our room is at 2 levels. Ils sont venus déposer le malade sur le premier niveau à hauteur comme ça. They brought him on at the first level. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un malade comme ça dans la salle. I did not even know that there were such a sick people in the room. Je suis sorti juste un peu pour faire un tour dans la salle avant de revenir. I got out to make a turn in the room before coming. À ma grande surprise, je sors sur un malade. To my great surprise, I come out and I see j'ai eu peur moi-même. I myself was afraid. Hallelujah. Praise the Lord. J'ai dit aux frères, I told the brethren, prenez le malade, mettez-le derrière là-bas. To take him and put him in the back. En fait, j'avais peur que le monsieur décède dans la salle et que ça ne gâte la soirée. I was afraid that a guy dies in the room and then everything will be spoiled. Mais Dieu a eu compassion de moi. But God has had compassion. Dieu m'a fortifié. God strengthened me. Je suis retourné me préparer. I went. J'ai juste pris mes bagages. I took my friends. Et je suis ressorti. And I came out. Pendant qu'on priait, while we were praying, j'avais même oublié la présence du malade. I even forgot the presence of that sick. Puisque là où on l'avait déposé, maintenant je ne le voyais plus. Since where they put him, I did not see him anymore. Nous avons prié ce soir-là. We prayed that night. À la fin de la prière, le malade s'est levé, il a marché par la maison. At the end, God had been walking. Acclamons pour Jésus Christ. Le lendemain,
The next day, il est revenu lui-même à la réunion. He himself came to the meeting. Nous avons tenu la réunion ensemble. We had the meeting together. Il était après la croisade revenu à Abidjan pour certains examens pour voir. Je n'ai pas encore ces nouvelles. After the crusade, he came to Abidjan for some. Mais ce que je sais, c'est qu'il se porte bien. But what I know is that he's very well. Je voulais vraiment glorifier le Seigneur, dire merci à Dieu. I would like to glorify the name of the Lord. C'est Dieu qui travaille à notre place. And give thanks. It's God who works in our place. May God bless you. Qui d'autre? Who else? Who else? Nous portons ces trésors dans des vases de terre. We bear these treasures in vessels of clay. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. So that this all surpassing power will be attributed to God and not to us. N'allons pas à l'évangélisation les mains vides alors que Dieu nous a donné un équipement glorieux. Let's not go to evangelize empty-handed whereas God has given us a glorious equipment. Praise the Lord. J'ai prêché l'évangile à un jeune homme. I preached the gospel to a young man. Il n'a pas accepté. He refused. Et je suis parti. And I went. Et un jour, one day, sa petite sœur venue me chercher. His younger sister came to seek me. Pour dire que son grand frère est malade. To tell me that his elder brother is sick. Sincèrement, je suis rentré dans la chambre. I went in the room. Je n'ai pas prié avec foi et en train. I did not pray with faith, really. J'ai fait une prière rapide. I made a quick prayer. Et je suis parti. And I went. Je suis allé faire des achats dans une boutique. I went to make shopping in a je revenais. Shop. When I came back, le jeune homme était avec sa petite sœur, il venait. The young boy was with his younger sister and he was coming. Donc quand je l'ai vu, when I saw him, j'ai crié, hey! I cried out, hey! Lui-même a commencé à rire. He himself started laughing. Il dit, mais tu es témoin que moi, je suis étonné que tu es debout. He said that you are a witness, you can testify that I'm astonished that you are up. J'ai prié mais je savais pas qu'il était levé maintenant. Je savais pas. I prayed but I did not know that you would be standing now. Et j'ai prié mais je savais pas qu'il était debout comme ça sur le champ. I prayed but I did not know that on the spot you will stand like this. Donc je lui ai dit Marcel, donne ta vie à Jésus. And I said Marcel, give your life to Jesus. Donc je vais attester que c'est Dieu qui travaille pas. I would like to attest that it is God that makes the works. Amen. Praise the Lord. Notre Dieu est puissant. Our God is mighty. Il utilise les choses faibles. He uses weak things pour confondre les sages. To bring confusion by the side of the wise men. Et il y a deux ans de cela, lors du renversement des principautés de 2017. 2 years ago, during the overthrowing of principalities of 2017, notre sœur Félicité, celle qui avait été notre servante de 2009 à 2017, 2016. We had a sister, Félicité. She was our maid servant. Elle s'était mariée. She got married. Si je m'abuse, en décembre 2016. In December 2016. Et quand elle est partie à Tia Salé, when she went to Tia Salé. When she went to Tia Salé, l'enfant ne venait pas. The child was not coming. Elle n'arrivait pas à enfanter. She was not able to conceive. Et après un moment, and after a time, les villageois avaient commencé à parler à son mari. Villagers started speaking to her husband. Sous forme de moquerie. Just like mockery. Donc ta femme elle est venue pour manger la nourriture seulement quoi. So that lady just came to eat. Et ils ont commencé à prier donc. So they started praying. Ça ne venait pas. It was not coming. Et un jour elle m'a appelé. And one day she called me. Pour dire tonton. Say tonton. Mon mari et moi on vient. My husband and I we are coming. Afin que tu nous rendes ministère. For you to minister to parce us. Qu'on croit à ton ministère. Because we believe your ministry. Je lui ai dit c'est chez toi tu viens quand tu veux. I said here is your house you can come here whenever you want. C'est ainsi qu'ils sont arrivés. Then they came. Et mon ami Ba et moi, my friend Ba and Ma and I, nous leur avons imposé les mains. We laid hand on them. Et ils sont partis. And they went back. 9 mois jour pour jour. 9 months, day after day. Elle a enfanté. She conceived and gave birth to a child. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for, Jesus Christ. Yeah.
C'est mon nomo. Ils l'ont donné mon nom. He's my homonym. They gave him my name. Et Dieu s'est pas arrêté là. God did not stop there. L'enfant n'a même pas eu un an. The child did not even get to one year. Dieu a donné le deuxième. God gave the second one. Jésus Christ. Elle était ici lors de la croisade. Elle avait présenté le tout dernier pour rendre grâce à Dieu. C'est celle dont les yeux avaient été attaqués avant le mariage. Pour ceux qui se souviennent de son témoignage. She was here during that the past crusade and she glorified God. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Let all the glory be to God. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je suis Adi Sylvie. I am Adou Sylvie. Et je voudrais rendre ce témoignage pour dire qu'effectivement, c'est le Seigneur qui travaille au travers de nous. I would like to testify that God, it is true that it is God who works through us. Lors de nos projections de films à Yam Soukro, during the projection of film in Yam Soukro, nous avions une projection dans le quartier Thérèse. We projected a video in the quarter called Thérèse. Et avant la projection de film, and before the projection of the video, nous distribuons des billets pour inviter des personnes sur le site où la projection doit se tenir. We used to share some invitation paper in order to invite people to the place. Et pendant que nous étions en train de distribuer ces billets, while we were sharing these invitation papers, nous sommes rendus dans une cour. We entered a house. Et là, nous avions vu que la cour était vide, il y avait personne. We saw that there was nobody there. Et tout d'un coup, and suddenly, c'était comme si j'avais été guidé par le Saint-Esprit au niveau de la porte. It was as if I was guided, directed by the Holy Spirit. Et voilà que j'arrive juste au seuil de la porte. When I got to the door, je vois une vieille femme. I saw an old lady. Et un adulte, un monsieur. And a man. Couché là. Lying there. Le monsieur avait juste le dos au mur. And the guy was just his back was on the wall, the fence, the wall. À vue d'œil, il se sentait tellement faible. When you look at him, he was very weak. On pouvait compter ses os au travers de son corps. We could count his bones through his body. Et dans mon esprit, quand j'étais allé, in my mind, I went there. J'ai dit au Seigneur, mais je voudrais inviter des gens pour la projection de film. I told the Lord, I wanted to invite people for the video projection. Mais ce monsieur, cette vieille femme ne peuvent pas aller à la projection de film. But these two people cannot go to the place. Et le Seigneur m'a dit de lui prêcher l'évangile. And the Lord told me to preach the gospel to him. Donc je lui ai tendu le billet. So I gave him the invitation. Et je lui ai prêché l'évangile. And I preached the gospel to him. Lui demandant de se repentir de ses péchés et de donner la vie à Jésus-Christ. Asking him to repent from his sins and give his life to Jesus. Et effectivement, il avait dit qu'il voudrait donner la vie à Jésus. And they truly wanted to give their life to Jesus. Je l'ai conduit à la repentance générale. I brought her to go through a general repentance. Dans l'intention de revenir pour faire la repentance détaillée. Intending to come back and lead her into a detailed repentance. Frère, après la repentance générale, brother, after the general repentance, nous avons prié. We prayed. Et je lui ai dit que c'est le Seigneur qui guérit. I told him that it is the Lord that heals. Et que c'est sur sa foi. And that it is upon his faith. Que le Seigneur va se baser. That the Lord will base himself. Pour le guérir. To heal him. Et effectivement, nous avons prié. And truly we prayed. Priant, demandant au Seigneur. Asking the Lord. D'opérer le miracle. To work the one the miracle. Qu'il se relève. And that he gets up. Et qu'il puisse retrouver la santé. And be healed. Frère, après ça, brethren, after that, je suis rentré chez moi. I went back home. Le lendemain, the next day, je suis revenu comme on avait rendez-vous. I came back since we had an appointment. Et quand j'étais venu, when I came, j'avais vu le monsieur dans la cour. I saw the man. Et non,
là où je l'avais vu la veille. I saw the man in the court, not where I saw him on the eve. Et c'est lui maintenant qui me dit. And he is the one who told me. Madame. Madam. Je suis allé faire le test. I went to make the test. Au fait, il avait la tuberculose. In fact, he had tuberculosis. Je suis allé faire le test. I went to make the analysis. Et il s'est avéré que je suis négatif. Now I am negative. Jésus Christ. Il dit, madame. He said, madame. Je sais que quelque chose s'est passé. I know something happened. Après la repentance. After repentance. Et il a dit qu'ils ont refait, le médecin a demandé que il revient pour refaire l'examen parce qu'il ne croyait pas. He said that the doctor told him to come back for to retake the analysis because he did not believe. Effectivement, il allait faire l'examen la deuxième fois. And he truly went to do it for the second time. Et c'était le même résultat. It was the same result. Donc, Jésus-Christ. Le monsieur s'est relevé. The man got up. Et la canne, parce que quand je l'avais vu coucher, il ne pouvait même plus se tenir debout. When I saw him there, he could not stand on his feet. Et ce jour-là, il était dans la cour. That day he was in the court. Il m'a dit, madame. He said, madam. J'ai laissé la canne. I left my cane. C'est moi-même qui me lève maintenant pour aller faire ce que je dois faire. I myself, I get up by myself to go and do what I want to do. Et frère. And brethren. Il est effectivement guéri de la tuberculose aujourd'hui, il est bien portant. He is truly healed from tuberculosis and now he's well. Même malheureusement, il n'a pas donné la vie à Jésus. Unfortunately, he did not give his life to Jesus. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Effectivement, nous portons ce trésor dans des vases de terre. We truly bear this treasure in earthen vessels. Au cours de la croisade du renversement des principautés. During the overthrowing of principalities. Effectivement, nous avons le Seigneur. Je suis le missionnaire de l'église de Divo, du Lodjibois. I am the missionary of the church of Divo, Lodjibois. Avec résidence à Divo. And I live in Divo. Au cours de la croisade du renversement des principautés. During the crusade of the overthrowing of principalities. De cette année, le Seigneur a beaucoup travaillé au milieu de nous. This year, the Lord worked a lot in our midst. Il a fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. He did a lot of good things. Donc, nous avons une vingtaine de témoignages we have où about, il y a eu des miracles we have et about des guérisons. We have about 20 testimonies where there were miracles and healings. Mais il y a trois qui m'ont marqué. But there are three of them which moved me. Il y a une dame, a woman. Depuis qu'elle est venue dans le foyer de sa rivale, since she came in the household of her rival, elle a commencé à lui créer tous les problèmes à travers la sorcellerie qu'elle pratiquait. She started to create all the problems through witchcraft. Au point où celle qu'elle a trouvée là, à travers la sorcellerie, son mari l'a chassée du foyer. To the point that the one that she found there was cast out from the household. Donc celle-là a quitté donc de son village à Lakota pour venir à Divo prendre une maison, un entrecoucher avec ses enfants. So that one left the man and went to Divo and take a house there for to live there with her children. But cette sœur finalement elle a cru et elle est avec nous. That sister finally believed and is with us. Donc au cours de la croisade, during the crusade, sa rivale qui pratique la sorcellerie, a rival who practices witchcraft, elle a quitté Lakota, son village à Lakota. She left her village in Lakota. Elle est venue la chercher, la trouver chez elle à la maison, sa rivale là. And came to see her at home in Divo. Pour lui demander pardon, to ask her to forgive, en lui disant que c'est moi qui t'ai créé tous les problèmes au point que notre mari te chasse de la maison. I am the one who created all the troubles so that our husband cast you out of the house. Mais je suis venu te dire que ton Dieu est trop fort. But I've come to tell you that your God is mighty. Acclamons pour Jésus-Christ. Parce qu'au cours de la croisade, because during the crusade,
Le Seigneur a commencé à la frapper même dans son propre village. The Lord started striking her even in her own village. On dit dans le village elle faisait comme une folle. They said in the village she was doing like a fool. Et c'est comme ça qu'elle est venue se confesser auprès de l'autre. That's how she came to confess herself. Et l'autre l'a au dernier jour de la croisade, l'autre l'a conduit à l'assemblée. On the last day of the crusade, the other one took her to the assembly. Elle-même elle a d'abord rendu témoignage. She herself testified. Et puis on lui a demandé, mais celle dont tu parles là, est-ce qu'elle est là? Elle dit oui, elle est dans la salle. We asked her, the one you are talking about, is she around? She said yes, she's in the hall. Est-ce qu'elle peut venir témoigner? Can she come and testify? Elle dit oui, elle peut venir témoigner. Elle s'est levée devant tout le monde. She got up and stood before everybody. Elle est venue s'arrêter, elle a témoigné. And she testified. Qu'effectivement, elle pratique la sorcellerie. That she is truly a witch. Et que c'est elle qui lui a créé tous les problèmes. And she's the one who created all the troubles. Mais elle regrette. But she's regretting. Elle se repent avait accepté son Dieu. She repents herself and wants to accept the God. Et ce témoignage a tellement enflammé l'assemblée. This testimony so set the assembly on fire so that. Que du coup il y a eu un élan de louange d'adoration. We started to praise the Lord in the assembly. En même temps, elle est tombée. On the spot, she fell down. Devant tout le monde, elle a commencé à pousser des cris. Before everybody, she started shouting. Et nous sommes allés la délivrer. And we went to deliver her. Après ça, maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui. After that, till now. Comme elle pratiquait la sorcellerie, on lui a donné une semaine de jeûne complet. As she was practicing witchcraft, we gave her. Et on a seven fait sa days délivrance. Elle a accepté le Seigneur. Elle a été baptisée. She accepted the Lord. And it's finished. Le deuxième témoignage, second one, c'est une maman. It is a mother. Elle était même à Abidjan ici. She was even in Abidjan here. Ayant pris sa retraite, elle a construit à Divo. After her retreat, she built a house in Divo. Donc, elle est présentement à Divo. So she's now in Divo. Cette maman là est disciple de l'ancien Usu. That mother is a disciple of Elder Usu. Au dernier jour de la croisade, on the last day of the crusade, elle est venue rendre son témoignage. She came to testify. Que depuis l'âge de 14 ans, that since 14 years old, qu'elle s'est mariée, that she got married, à son premier mari qui est décédé par la suite. To her first husband who died later. Donc quand elle a grandi, elle a fait contracter un autre mariage. And when she grew up, she had another marriage. Et cet autre mariage là, ce monsieur avait le VIH, mais il lui a caché ça. And that other man was HIV positive, but he hid it to her. Donc quand ils ont fini la cérémonie du mariage et tout ça, ils devaient maintenant consommer le mariage. And after the wedding, they were to be together. C'est ce jour-là qu'elle a contracté cette maladie, le VIH. That day that she caught that sickness. Mais depuis cette date, from that date on, jusqu'à la croisade, elle n'avait jamais parlé de ça à quelqu'un. Elle prenait ses médicaments. Up to the crusade, she did not share it to anybody, but she was just taking a pills. Donc elle est dans l'assemblée avec nous, mais nous n'avons jamais su qu'elle a ce problème-là. She was in the assembly with us, but we had never known that she had this problem. Donc à notre grand étonnement, to our great surprise, elle est venue ce jour-là pour rendre son témoignage de délivrance du VIH/SIDA. She came to testify her deliverance from HIV. Elle a dit que she said that elle voulait d'abord me voir quand on a fini. La croisade. First, she wanted to see me when we finished the crusade. Elle voulait d'abord me voir. She first wanted to see me pour me demander si elle pouvait prendre un jeûne elle aussi, parce que avec les médicaments, elle ne peut pas jeûner. Elle ne peut même pas prendre un jour de jeûne. She to ask me if she could take the fasting since she's taking the pills. Donc, quand elle m'approchait pour me dire, j'étais en réunion avec les anciens. When she was coming to see me, I was having a meeting with the elders. Et elle entend une voix qui lui dit, and she heard a voice which told her, il ne faut pas consulter la chair et le sang. Do not go to consult flesh and blood. Mais il faut jeûner. But fast. Et c'est comme ça qu'elle ne m'a rien dit. Quand elle est partie, elle est rentrée dans le jeûne. That's why she did not tell me anything. When she went back home, she started fasting.
Elle dit que les médicaments du VIH, elle ne peut pas rester une journée sans prendre et puis se sentir bien. Une fois, elle a, plusieurs fois, elle a tenté de prendre, de ne pas prendre ce produit-là dans l'esprit de gêner, mais elle n'a pas pu. Elle avait la bouffée de chaleur, elle avait beaucoup de malaise. Donc chaque fois, elle reprend les médicaments. She said that she could not even spend a day without taking the medicine. She tried to do this in the past, but it was very difficult. Mais elle n'a dit à personne, elle est rentrée dans le jeûne. But she said it to nobody. Elle venait chaque soir à la croisade. She got into the fasting and came to the crusade every afternoon. Et c'est 10 jours après. And 10 days later. Qu'elle est venue dire qu'elle se sent tellement bien. That she came and said that she's doing so well. Bien qu'elle ne prenne plus les produits, elle se sent tellement bien. That she's not taking the pills anymore. She's feeling well. Le Seigneur qui l'a guérie du VIH. And that she blesses the Lord who healed her from HIV. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur l'a délivrée. And up to this day, the Lord has delivered her. Alléluia. Praise the Lord. Cette maman, le Seigneur l'avait déjà délivrée de l'insuffisance rénale ici à Abidjan. That mom, the Lord had already delivered her from renal failure here in Abidjan. Ça c'était son deuxième miracle que le Seigneur venait de lui accorder. And that one was the second miracle that the Lord granted her. Et le dernier témoignage. And the last one. C'est celui d'une sœur. Is that of a sister? Qui depuis son jeune âge aussi avait un envoûtement, avait reçu un envoûtement. Since her youth, she was bewitched. A dit que au cours de la croisade, le Seigneur va lui montrer que c'est sa cousine. And during the crusade, qui a the Lord, pris son dessous, qui a uriné dessus, qui allait derrière la douche enterrer ça. Et c'est depuis ce jour-là qu'elle a eu cette maladie-là. Elle a des démangeaisons, elle avait des douleurs dans tout le corps, elle avait les cheveux qui s'arrachaient, elle avait le problème de goitre. That sister, elle vivait sur comprimé, si je peux dire, sur traitement. That sister was suffering a lot, and it is during the crusade that the Lord revealed to her that one of her cousins took her underpant and bewitched her. Mais c'est au cours de la croisade. But it is during the crusade. Dans les derniers jours, effectivement aussi. Towards the last day. Quand on priait. When we were praying. Bon, elle est tombée devant tout le monde. She fell down before everybody. Et les frères l'ont soulevée pour aller faire sa délivrance. And the brethren took her to deliver her. Après ce jour, after that day, le lendemain, comme la croisade continuait, the next day, when as the crusade was continuing, elle avait une autre témoignage. She herself came to testify. Elle a fait un songe. That she had a dream. Elle a eu un songe dans lequel elle marchait. She had a dream in which she was working. Elle est arrivée à un carrefour. She got to a junction. Elle voit un monsieur gaillard. She saw a man tall. Il lui dit de venir. Who told him to come? Elle lui dit, mais qui tu es et tu qui vous êtes et puis vous m'appelez. And she told him, who are you and you are calling me? Et la personne dit, je suis ton maître. And the man said, I am your master. Mais est-ce que si je te guéris, la personne, si je te dis l'origine de ton mal, est-ce que tu vas pas en vouloir à la personne? And the person told her that if I tell you the origin of your pain, will you not bear a grudge against that person? Elle dit qu'elle ne veut pas en vouloir à la personne. She said no. Elle dit, tu me promets ça? Do you promise me this? Donc le Seigneur voulait lui révéler. So the Lord wanted to reveal her. Que sa cousine qui était à la maison avec elle. That her cousin who was at home dormant with dans la même chambre avec they elle. They were sleeping in the same room. C'est elle qui lui a causé tout ce problème. She's the one who created all her these troubles. Et c'est dans le songe. And it is in the dream. Elle se retrouve dans un autre, comment on peut dire ça, dans une autre image. She found herself in another image. Où elle voit sa cousine en train de faire cette pratique, uriner sur ses dessous. In which she saw her cousin doing this practice. Le Seigneur lui a montré sur ces films là. The Lord showed her all these things. Après, il lui dit, je vais te délivrer aujourd'hui. And he told him that I will deliver you today. Alléluia. Praise the Lord. Quand elle est sortie de cette vision que le Seigneur lui a montrée. After this vision the Lord showed her. Jusqu'à ce qu'on finisse la croisade. Until we finish the crusade. Elle est totalement guérie. She is totally healed. Jésus Christ. Donc il y a beaucoup de témoignages, mais ce sont ces trois là. So there are many testimonies, but it is those three ones. Ils m'ont le plus marqué. Which moved me a lot. Offrons des acclamations au Seigneur. Let us clap for the Lord. Est-ce que ce n'est pas la puissance? Is that not power? On appelle ça comment? La puissance. That is power.
sur, dans qui vous voyez, il tremble même. Il se demande si c'est non, s'il est quelqu'un même par qui Dieu peut passer. He's even trembling and he's even asking himself who he is. Va, go, gagne les âmes. Win souls. La puissance est disponible. The power is available. La puissance est disponible. The power is available. Les autres témoignages là, dès qu'on revient, je ne voulais pas qu'on les écoute étant pressé. The other testimonies will listen to them when we come back. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you.